seul Jésus, nous levons nos mains, nous te donnons, et ça t'étends, nous te rendons, toi toute la gloire pour tout ce que tu fais, Seigneur, pour tout ce que tu accomplis, Seigneur, en ce lieu. Nous levons nos mains, Seigneur, en signe de reconnaissance et de gratitude, Seigneur. Car tu es, tu es digne, Seigneur, tu fais des miracles. Il n'y a point d'autre que toi. S'efface et que toi seul sois vu proclamé au nom de Jésus. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Merveilleux Jésus. La radio est prête. Aide-moi encore à saluer ton frère de gauche et de droite pour moi. Juste besoin du piano, de son string. Dis-lui attachement à Jésus-Christ. Je veux rendre grâce à Dieu pour ce temps. Je veux bénir le nom du Seigneur pour l'opportunité qu'il me fait de me tenir devant son peuple. M'excuserai, je suis un peu fatigué, ma voix est un peu cassée. Hier, nous avons eu une grande campagne d'évangélisation en Passa. Il y a eu énormément de personnes. Nous avons eu plus de 150 conversions. Oh, nous rendons gloire à Dieu. Alors, on est rentré un peu tard. Amen. Dieu va nous faire grâce. Merci à l'homme de Dieu. Je l'appelle l'apôtre. L'apôtre Marcelo Tunassi. Pour le grand travail qu'il fait. En tout cas, il est béni. Un grand impact au travers le monde entier. Souvent, je le lui rappelle quand je l'appelle sur mon téléphone. En tout cas, je bénis le Seigneur pour sa vie. Pour Maman Blanche et tous les pasteurs qui sont là. Travail, font un travail merveilleux, tous les frères et sœurs dans les départements, Pasteur Bishop, God bless you, que Dieu soit béni. Nous allons rapidement dans la Bible, nous allons prendre trois textes. Le premier se trouve dans le livre de Matthieu au chapitre 16. Matthieu chapitre 16, le verset 13 au verset 17. Ensuite nous lirons Actes chapitre 26, le verset 13 à 16. Enfin, nous lirons Philippiens 3, 1 à 10. Matthieu chapitre 16, le verset 13 à 17. Jésus
étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprenant la parole et il dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Amen. Actes chapitre 16. Acte 26, le verset 13 au verset 16. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. Et je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Amen. Philippiens, chapitre 3. Le verset 7 au verset 10. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel je renonçais à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Jésus-Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je le puis, à la résurrection d'entre les morts. Amen. Que Dieu vous bénisse. Prenez place. Nous parlons pendant ce 30 matins sur l'attachement à Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit que au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et cette parole qui était venue dans le monde, en lui ou en elle, était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et tout ce qui existe, les choses visibles et les choses invisibles, ont été créées par la parole de Dieu, par Dieu lui-même. Et dans Jean chapitre 1, le verset 14, il est dit que cette parole a été faite chair et elle a habité parmi les hommes, pleine de grâce et de vérité. Au travers de ce premier texte de Jean qui nous présente la divinité de Jésus-Christ, il nous montre qu'il y a deux natures qui sont fusionnées en une personne. Jésus-Christ est Dieu. Et Jésus-Christ est aussi venu en tant qu'homme. Dans son état d'esprit, il ne pouvait pas, Dieu, venir habiter comme ça parmi les hommes. Tous les hommes allaient mourir, ils allaient forcément être détruits à cause de sa sainteté. Mais à cause de son amour, il a dû prendre la forme humaine. Il est venu en chair. C'est ce que la Bible appelle cela un mystère. Le mystère que beaucoup de personnes ont du mal à comprendre, à disséquer par manque de révélation. Il est dit également dans 1 Timothée chapitre 3 verset 16 que le mystère de la piété est grand car Dieu a été manifesté en chair. Alléluia. Nous parlons de l'attachement à Jésus. À s'attacher à Jésus, ce n'est pas s'attacher à un Jésus religieux ou encore à un Jésus que certaines traditions ou religions nous présentent. Car il y a un Jésus qui était charnel, mais il y a aussi le Jésus qui est Dieu. Quand il est venu en chair, la Bible nous dit qu'en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Ainsi, il était Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Amen. Or, Dieu
on ne peut pas l'étudier. Or Dieu, on ne peut pas aller vers lui. Or Dieu se révèle. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, c'est que pendant ces 30 matins, Jésus va se révéler à toi différemment. Oh, tu as raté l'occasion de dire amen. Parce qu'il est Dieu, il se révèle. Les hommes, lorsqu'ils cherchent à aller vers Dieu, ils créent ce qu'on appelle la religion. L'ensemble des traditions, des pratiques qu'on met en place pour aller vers Dieu. La Bible dit dans Genèse chapitre 11 que les hommes du temps de Babel, ils se sont réunis pour construire une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et Dieu est descendu et il a confondu leur langage. Aussitôt que leur langage a été confondu, aussitôt Dieu vient et se révèle à Abraham. Oh, le temps de la révélation de Jésus-Christ est arrivé. Alors, comme Dieu se révèle, c'est-à-dire celui qui vient et il se présente en toi, à toi, il se manifeste à toi et il t'éclaire sur ce qu'il est et ce que tu es censé être en lui. Car la révélation nous donne non seulement la connaissance de Dieu, mais également la connaissance de ce que Dieu veut que nous soyons, que ce que Dieu veut que nous puissions faire. Et voici comment, lors du ministère, pendant le ministère de Jésus, un jour, il était avec ses disciples. Il marchait avec lui, ils dormaient ensemble, ils faisaient le ministère, il les enseignait, il les formait. Et un jour, Jésus leur pose la question, qu'est-ce que les gens disent de moi? Qui suis-je aux yeux des gens? Et certains commençaient à dire, les gens disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres que tu es Élie, d'autres disent que tu es ou même Jérémie ou l'un des prophètes. Je suis sûr que dans la réponse qu'ils donnaient, ils n'avaient pas totalement faux, ils n'étaient pas totalement à côté. Parce que quand ils observaient le ministère de Jésus, ils voyaient Jérémie, ils voyaient Élie et ils voyaient tous les prophètes parce que Jésus, c'est la plénitude de tout. Nous avons tous reçu une mesure de sa grâce. Chacun de nous a reçu une mesure de la personne de Dieu, une mesure de l'Esprit de Dieu. Mais les manifestations sont différentes. Donc un jour, il peut se révéler ou agir comme Jérémie. Il vient dans le temple, il chasse les gens du temple. Il vient avec autorité. Il va dire que ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Donc on le voit agir comme Jérémie. Ailleurs, il agit comme celui qui ressuscite les morts, comme Élie. Parce qu'il y a eu un mort qui était, un enfant qui était mort, et Jésus l'a ressuscité, l'a amené à la vie. On dit non, non, non. On a appris dans la loi que Élie seul, et bien sûr avec son fils Élisée, avait ressuscité. Donc, nous sommes sûrs que c'est Élie. Et d'autres disent, nous sommes sûrs que c'est l'un de ses prophètes. Il dit, ok, j'ai écouté vos réponses. Alors, vous, dites-vous que je suis. Je suis sûr qu'il y a eu un temps mort, un temps de silence où chacun voulait savoir mais qui il est vraiment parmi les disciples. Et tout à coup, je dis bien tout à coup, Pierre, qui s'appelait Simon, il va dire, tu es le Messie, tu es le Christ. Oh non, laisse-moi te dire, la révélation qu'il a eue ne venait pas de lui, parce que lui-même ne savait pas réellement qui il était. Et Jésus va répondre, il dira, oh, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Je suis venu dire à une personne ce matin, pour être heureux, tu n'as pas d'abord besoin d'argent. Pour être heureux, tu n'as pas d'abord besoin des choses de ce monde. Pour être heureux, tu n'as pas d'abord besoin du mariage. Tu n'as pas d'abord besoin des richesses de ce monde. Oh non, le bonheur vient de la connaissance et de la révélation que nous avons de Jésus. Jésus n'a pas dit à Pierre, tu es heureux parce que tu es pêcheur avec une barque. Non, 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 non. La pêche, l'entreprise, ça c'est les conséquences. Mais la principale, la chose principale, c'est la révélation que tu es amené à avoir de ce Jésus. Il dit, tu es heureux. Je suis venu dire à une personne ce matin, Dieu va te rendre heureux parce que tu vas avoir la révélation de la personne de Jésus. Je disais la révélation de la personne de Jésus. Il dit, tu es heureux, Simon, fils de
de Jonas. Et Jésus rajoute, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Cela veut dire, ce ne sont pas les hommes, ce ne sont pas les écoles théologiques, ce n'est pas l'institut biblique qui te donnera la révélation de Jésus. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. Tu peux connaître Jésus homme. Oh, Jésus homme était là. Il a vécu où ça en Israël. Mais le Jésus dont nous te parlons, le Jésus dont je te présente, c'est celui qui était mort et ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite de Dieu. C'est-à-dire, c'est le ressuscité. Ce Jésus-là est différent. Si tu l'as connu dans la chair, le temps arrive où tu dois le connaître dans l'esprit. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? J'ai dit, quelqu'un m'entend ce matin? Il est. Il dit, ce ne sont pas la chair. Alors, pour connaître ce Jésus, tu n'as pas d'abord besoin. J'aime les écoles. J'encourage les écoles. Mais ne va pas là-bas pour avoir la révélation. Tu auras la lettre, mais la révélation vient du ciel. Oh non, tout don parfait et toute grâce excellente descend d'en haut du Père de lumière. C'est le Père qui a révélé. Il dit, c'est mon Père qui t'a révélé ces choses. Oh, est-ce que le Père peut-il révéler à quelqu'un qui est Jésus? Nous n'avons pas tous la même révélation de Jésus. Pour toi, il peut être celui qui guérit. Pour l'autre, il peut être celui qui restaure. Chacun de nous a besoin d'une révélation personnelle par rapport à sa vie, par rapport à son avenir, par rapport à sa mission, par rapport à son appel, par rapport à sa destinée, par rapport à là où Dieu veut t'emmener. Tu dois avoir la révélation de Jésus. Alléluia. Jésus dit, Père, je te rends grâce de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Ce n'est pas une question d'expérience. Ce n'est pas une question de non, j'ai 40 ans de ministère. Dieu n'a rien à faire avec. Ce n'est pas une question, je ne sais pas de quoi. Oh, nous sommes les doyens. C'est une question de l'intimité. C'est une question de cœur à cœur. C'est une question de cœur à cœur. Je dis de cœur à cœur. De cœur à cœur. Il dit, tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais tu les as révélés aux enfants, aux humbles, à ceux qui quittent leur maison à venir tout le matin à 6 heures chercher Dieu. Tu les as révélés ces choses. Tu leur as révélé ces choses. Il dit, Père, je te rends grâce. Il ajoute, il dit, personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils et à celui à qui le Père veut le révéler. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. Le Seigneur, le Père a envie de révéler son Fils à tous ceux qui le souhaitent, à ceux qui ont soif, à ceux qui désirent, à ceux qui désirent, à ceux qui soupirent. Il veut révéler son Fils. Car n'oubliez pas que du début à la fin, il n'y a que Christ. Ah, quelqu'un ne m'a pas compris. Du commencement jusqu'à la fin, il n'y a que Jésus. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il est le commencement, il est la fin. Il est le premier, il est le dernier. La Bible dit, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Cela signifie quoi? Il est l'origine de toutes choses. Il est le moyen par lequel on peut obtenir toutes choses. Le chemin, la vérité, la vie. Il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Oh, tu n'as pas dit Jésus-Christ, homme. Et il est la finalité. C'est pour lui. Oh, si il te bénit, ce n'est pas pour toi. Si tu te maries, ce n'est pas pour toi. Si tu fais l'œuvre, ce n'est pas pour toi. C'est pour lui. C'est pour lui. David l'a compris. Il a dit, des paroles pleines de charme bouillant dans mon cœur. Et je dis, mon œuvre. Ah, je disais à quelqu'un, mon œuvre, mon ministère, mon appel, c'est pour le roi. C'est pour le roi. C'est pour Jésus. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Et si Jésus a laissé l'église, c'est pour que l'église révèle Jésus. C'est pour que l'église présente Jésus. Aujourd'hui, l'église connaît plus les démons que Jésus. L'église ne fait que lier, chasser, écraser, envoyer le feu. Mais quand on te dit, connais-tu Jésus? L'église ne connaît pas Jésus. L'église connaît les démons. L'église connaît
les hommes de Dieu. Tu es là, tu connais toute la liste des hommes de Dieu, mais tu ne connais pas Jésus. Aujourd'hui, l'Église connaît tout sauf Jésus. Oh, si tu ne le connais pas, si tu ne cherches pas à le connaître, tu ne pourras jamais t'attacher à lui. Tu t'attacheras aux choses qu'on te dit chaque jour. Des choses pour lesquelles tu désires, c'est les choses auxquelles tu vas t'attacher. Et à la fin de temps, la Bible parle de gens qui vont abandonner la sainte doctrine pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines des démons. Des gens qui vont abandonner la foi. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Amen. 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 Dis avec moi Jésus. Ah, dis-le encore plus fort, Jésus. J'aimerais dire à une personne que Jésus est le centre de tout. La Bible dit qu'il est l'image du Dieu invisible. C'est-à-dire quand Dieu te créait, il disait créer l'homme à notre image. Cette image-là, c'était d'abord lui. Il veut que tu sois comme lui. En fait, tu es sa représentation ici sur la terre. Tu es l'ambassade du ciel sur la terre. Tu es la représentation diplomatique du royaume des cieux où Jésus est le roi ici sur la terre. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est pourquoi il a dit dominer. C'est pourquoi il a dit multiplier. Tu n'es pas... En fait, quand tu es attaché à Jésus, il est impossible que tu échoues. Il est impossible que tu sois en bas. Parce que Jésus te tirera toujours vers le haut. Oh, le même, avant de t'amener au haut, il est d'abord descendu dans les régions inférieures de la terre. Mais il n'est pas sorti seul. Il est sorti avec les captifs. La mort n'a pas pu le retenir. Et il est sorti et il t'a transporté. Oh, il y a eu un transport. Je dis à quelqu'un, il y a eu un transport vers le ciel. Tu es là avec lui. La raison pour laquelle tu dois t'attacher à Jésus, le reflet de la gloire du Père, il est l'empreinte de sa personne. Qui veut s'attacher à Jésus? Lorsqu'on s'attache, c'est-à-dire on se lie, on se marie. La Bible dit, les deux deviendront une seule chair. Celui qui s'attache à la prostituée deviendra une seule chair avec la prostituée. Mais celui qui s'attache au Seigneur, celui qui s'attache à Jésus, devient un seul esprit. Oh, je suis en train de te dire, tu vas devenir un avec Jésus. On t'appellera petit frère, petite sœur de Jésus. Tu vas réfléchir comme lui parce que tu as commencé à t'attacher à lui. Et Paul, quand il voyait que les chrétiens de Corinthe commençaient à passer à côté, bien aimé, même la raison d'être de l'église, c'est Jésus. Paul dit, il dit aux Corinthiens que personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus, celui la base, la pierre angulaire, celui sur qui sont fondés les enseignements des prophètes et des apôtres. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus étant la pierre angulaire. Il est la base. La base solide, la base inébranlable, la base qui ne faillit jamais, la base, oh oui, alléluia, la base solide, le fondement solide et inébranlable, c'est Jésus. Et il dit, je ne veux savoir parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Le thème de ma prédication, c'est la révélation de Jésus-Christ. La révélation de Jésus-Christ. Et la Bible nous dit, même s'il se révèle à toi, tu dois le connaître. Mais pas seulement le connaître, tu dois chercher à le connaître. Osée chapitre 6, verset 3, la Bible dit, connaissons le Seigneur et cherchons à le connaître. Il y a deux choses. Premièrement, il faut le connaître. Si tu es ici, tu ne l'as pas connu. Peut-être que tu viens à l'église. Peut-être que tu aimes les prédications qui sont données ici. Mais tu dois faire une rencontre personnelle et sincère avec Jésus. Il faut que tu le rencontres. Il faut que tu le reçoives dans ton cœur. Connaissant. Comment on peut connaître? C'est lorsqu'on reçoit la révélation. Pierre a reçu la révélation de Jésus. Regardez tout de suite ce que Jésus a dit. Alors qu'il s'appelait Simon, il dit, dorénavant tu t'appelleras Pierre. La révélation de Jésus va changer ta nature. Il était Simon. Simon veut dire roseau, instable. Il ne sait pas où il veut, ce qu'il veut. Tantôt
Tantôt il est ici, tantôt il est là, un pied à gauche, un pied à droite. Mais quand tu reçois la révélation, tu deviens stable, tu deviens pierre. Oh, est-ce qu'il y a-t-il des gens qui sont, alléluia, des pierres ici? Il dit, tu es pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon église. La révélation de Jésus te donne aussi la révélation de ton identité. Tu sauras ce que tu es véritablement en Christ. Parce qu'en Christ, tu n'as pas le nom que ton père t'a donné. Tu as le nom nouveau que Dieu t'a donné. Lorsque tu viens à Jésus, Dieu te donne un nom nouveau. Tu as une identité nouvelle. C'est pour cela que quand les démons te voient, ils tremblent. Parce qu'en toi, il y a quelque chose, je dirais, il y a quelqu'un, l'image de Dieu qui est posée, placée en toi. Tu rentres dans le couloir de ta destinée quand tu reçois la révélation de Jésus. Et cette révélation te fait enlever tout ce qui est trouble, difficulté, angoisse. Tu ne regardes plus les autres, tu n'es plus jaloux parce que tu sais que Dieu me connaît. Dieu a un plan pour moi et mon temps arrive. Je bénis déjà Dieu parce que Pasteur Marcel l'a acheté. Et je dis gloire à Dieu. Et pourquoi je dis gloire à Dieu? Parce que dans la liste des demandeurs des achats des parcelles pour l'église, il n'est plus là. Non, tu n'as pas compris. Quand Dieu bénit ton frère, cela veut dire qu'il n'y a plus d'encombrement dans la liste des demandes. Ton nom est hâte. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Ton nom est en train de s'approcher. C'est pourquoi ne sois jamais jaloux. Bénis Dieu pour ce qu'il fait avec les autres. Tu as une identité, tu es enfant de Dieu, tu as un plan pour toi. Tu ne vas pas mourir, tu ne vas pas échouer, tu vas réussir parce que ton Dieu n'a pas échoué. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Tu es appelé à régner. Tu es appelé à dominer. Je dis, tu es appelé à marcher au-dessus des problèmes, au-dessus du péché, au-dessus du serpent, au-dessus des problèmes, des difficultés. Même quand la barque secouée, sois tranquille, il est dans la barque. Va le réveiller, il va se réveiller. Je suis venu te dire, ne sois pas troublé, ne pleure plus, essuie tes larmes. Parce que dans le 30 matin, nous parlons de l'attachement à Jésus. Lorsque tu as la révélation de ce Jésus, ta vie ne peut plus être la même. Ta vie est changée, ta vie est basculée. Tu marches vers les grandes choses. Et si tu n'as pas la révélation, même si tu as la parole, tu auras ce qu'on appelle le logos. Jésus dit, vous sondez les Écritures, pensant avoir en elle la vie. Ce sont les mêmes écritures qui parlent de moi, mais vous ne voulez pas venir à moi. Donc cela veut dire que ce n'est pas le logos, ce n'est pas la chair et le sang, c'est la révélation. Et voici un homme qui avait le logos, mais qui n'avait pas la révélation du nom de Paul. Avec la parole, avec la loi, il a combattu ceux qui avaient la révélation. Laissez-moi vous dire, ceux qui combattent ceux qui ont la révélation, ce n'est pas d'abord les païens, mais c'est les religieux. Parce que les religieux disent, nous sommes des doyens, nous connaissons. Jésus dit, je suis venu pour un jugement, pour que ceux qui se disent qu'ils voient deviennent aveugles, pour que ceux qui disent qu'ils ne voient pas commencent à voir. Et voici dans son aveuglement, il combattait l'église, il est vrai chrétien. Il est persécuté, il les arrache de maison, il les tue, il a même approuvé le meurtre d'Étienne, il le faisait jeter en prison. Il va voir les sacrificateurs, ses chefs, il leur demande des lettres pour aller arrêter ceux qui étaient à Damas. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'à cause de la destinée que Dieu avait pour lui, ce jour-là, c'était le tournant décisif. C'était le tournant décisif. Pendant qu'il allait, la Bible dit que c'était à midi. Or, à midi, dans le Moyen-Orient, il fait extrêmement chaud. Cela veut dire qu'il y a le soleil. Mais il y a une lumière qui est venue, qui a dépassé la lumière du soleil. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. Je suis venu dire à quelqu'un, Jésus, ce n'est pas le soleil. Ah, Jésus, c'est la lumière. La lumière a été créée le premier jour. Le soleil a été créé le quatrième jour. Ah, Jésus est la lumière du monde. Il est la lumière du monde. En plein midi, la Bible dit la lumière. Ah, la Bible
dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur toute la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de ça. Et tout à coup, Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. La lumière brilla du sein des ténèbres. Du sein des ténèbres. La lumière a brillé. Oh, je suis venu dire à quelqu'un, sur ton chemin, sur le chemin de ta destinée, tu vas rencontrer la lumière. Jésus crucifié, Jésus crucifié, Jésus crucifié, tu vas le rencontrer. Et quand il le rencontre, il devient aveugle. Il pose la question, oui Seigneur, qui es-tu? Qui es-tu? Il dit, je suis. Oh, j'aime Jésus. Il ne cache pas son identité. Je suis Jésus que tu persécutes. En réalité, quand on te persécute, toi qui as la révélation, on persécute ton maître. Ah, je suis venu te dire, tu es celui qui te touche, touche la prunelle de son œil. Je suis venu te dire, tu as du prix à ses yeux. Tu as du prix à ses yeux. Tu as de la valeur. Rabasaka, tu as de la valeur à ses yeux. Et c'était terrible. La destinée de Paul a changé. Quand tu rencontres Jésus, la première chose qui se passe, tu te convertis. Tu te convertis. Tu te repens sincèrement. Paul n'a pas connu de fausse repentance parce qu'il a vu Jésus. Nos églises sont remplies de gens qui ne sont pas vraiment repentis parce qu'ils n'ont pas rencontré Jésus. Ils n'ont pas eu la révélation de Jésus. Lorsque tu as cette révélation, tu ne peux plus aimer le péché. Tu ne peux plus cohabiter avec le mal. Oh, Paul dit, lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère de révéler en moi son fils. C'est une révélation intérieure. Une révélation dans le cœur, une illumination. Les écailles tombent, le voile est ôté. Et quand les voiles sont ôtées et ôtées, le cœur se convertit à Dieu. Ça, c'est la première conséquence. La deuxième conséquence, quand Paul a vu le Jésus, la révélation de Jésus, sa vie a été transformée. Oh, beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne sont pas transformés parce qu'ils pensent que la transformation, c'est d'aller d'église en église. Ils changent des églises comme des chemises. Le problème, ce n'est pas de changer les églises. Le problème, c'est la transformation intérieure. Toi qui viens ici, sois transformé de l'intérieur. Quand Jésus vient dans ta vie, ton langage doit changer. Ton habillement doit changer. Ton regard doit changer. Oh oui, tes actions vont changer. Ton attitude doit changer. Toi, tu ne peux plus traîner avec les canards. Toi, tu es un aigle royal. Tu es appelé à voler dans les hauteurs. Pourquoi tu traînes dans la basse-cour? Je suis venu dire à quelqu'un, sors de la basse-cour, tu n'es pas un canard, tu es quelqu'un qui est appelé à marcher dans la cour des grands. Oh, de la poussière, il relève l'indigent, du fumier le pauvre, et il le fait asseoir avec les grands de son peuple. Je suis venu te dire de la part de Dieu, il faut qu'il y ait une transformation. Commence à marcher la tête haute, même quand ça ne va pas, dis ça va bien. Dieu reconnaît, écoutez, Dieu dit, que le pauvre dise, je suis riche. En réalité, Dieu reconnaît que tu es pauvre, mais il t'interdit de dire que tu es pauvre. Que le faible dise, je suis fort. Il reconnaît que tu es faible. Mais Paul dit, je me plais dans mes faiblesses. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Car la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Transformation. Ne parle pas comme tout le monde. Ah, le Congo, c'est difficile. Il n'y a aucun endroit où c'est facile. Dieu t'a donné ce pays. Dis, je veux dominer. Dis, la richesse de ce pays, c'est à moi. Prends-le. Car Dieu te bénira seulement là où il t'a planté. Dieu te bénira là où il t'a positionné. Si je quitte la France, je viens ici, je vais échouer. Si je veux faire comme passer ma soeur, je veux échouer. Mais je suis content. Quand j'ai compris cela, j'ai dit la France m'appartient. Ah, je ne dis plus non, c'est un terrain difficile. C'est facile. Et les gens viennent parce que je dis que c'est facile. Que les faibles disent. Oh, tu n'as pas dit. Que les faibles disent. À cause de qui?
de Jésus. Ah, tu peux l'acclamer très fort. Oh, tu peux l'acclamer très fort. Troisième chose qui se passe lorsque tu as la révélation de Jésus, les choses qui étaient pour toi des gains, les choses que tu aimais beaucoup. Oh, c'est mon deuxième bureau. Oh, c'est mon chéri, mon petit copain. Jésus ne te donne pas un petit copain. Il te donne un mari. Oh, est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? La fraude que tu faisais, arrête de faire cela. Il dit, les choses qui étaient pour moi des gains. Chacun de nous ici avait des choses qui étaient comme des gains. Commence à le regarder comme une perte. Car l'attachement à Jésus doit te pousser à te détacher de certaines choses. Tu dois te détacher du mal. Tu dois te détacher des mauvaises personnes. Les mauvaises compagnies corrompent le bon mœurs. Tu dois te détacher. Plus tu te détaches, plus Dieu te lève avec toi. Plus tu te détaches, plus tu commences à gagner Christ. Paul dit, j'ai regardé ces choses comme une perte. Comme une perte. Tu dois perdre les choses futiles pour gagner des choses utiles. Je suis venu te dire, tu dois perdre des choses futiles, la bassesse, pour gagner des choses utiles. Dans tous les cas, quand Dieu veut te lever, il doit te détacher de certaines personnes. J'ai l'impression que tu n'as pas bien compris. Tu es en train de monter. Tu es en train de monter. Il dit, ces choses étaient pour moi des gains. Je les ai regardées comme une perte. Pourquoi? À cause. Il y a une but. À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus. Est-ce que tu sais que c'est excellent de connaître Jésus? Est-ce que tu sais que c'est beau? Ah, c'est un beau nom. C'est un nom merveilleux. Un nom qui peut, qui dit toujours oui quand les gens disent non. Un nom qui n'a pas de difficulté. En fait, avec le nom de Jésus, le mot est possible et n'existe pas. Non, tu n'as pas bien compris. La Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Et rien n'est impossible à Dieu. Cela veut dire que tout est possible encore. Rien n'est impossible aussi à celui qui croit. Détache-toi des choses qui te retiennent encore vers le bas. Il dit, je les ai regardées comme de la boue, comme des ordures. L'attachement à Jésus doit t'entraîner à renoncer à tes droits temporels pour acquérir les droits éternels. Parce que toi, tu te vois ici seulement sur la terre, mais Dieu te voit déjà dans le millénium et dans l'éternité. Donc si tu vis par rapport au présent, tu vas hypothéquer les bonnes choses. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, alors nous sommes les plus malheureux de tous les hommes, a dit Paul. Mais je sais qu'au-delà de cette vie, il y a un royaume, il y a une éternité. Je régnerai avec lui dans l'éternité, tel il est, mais tel aussi je serai. Alléluia. Alléluia. Et Paul ne s'arrête pas là. Il dit, ainsi je connaîtrai Christ. La deuxième étape de la révélation. Ne te limite pas à ce que tu connais. Ne t'arrête pas à ce que tu sais. Car Dieu est un Dieu de mouvement. Quand tu t'attaches à la révélation de samedi, demain, dimanche, il a déjà bougé. Tu n'as pas compris. Même les anges, les séraphins, qui sont là, qui disent saint, saint. Pourquoi ils ne se fatiguent pas? Parce que quand ils disent saint, ils découvrent la sainteté de Dieu dans une autre facette. Et quand ils découvrent, ils disent waouh, saint. Waouh, saint. Je suis venu te dire, ne t'arrête pas à cette révélation. Il y a encore meilleur demain. Il y a encore meilleur demain. Il dit, je connaîtrai Christ. Cherchez à connaître le Seigneur. Cherche à le connaître dans le jeûne, dans la prière, dans les retraites, dans la consécration. Car il dit ceci, si vous me cherchez de tout votre cœur, je dis bien de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Amen. Amen. Car nous connaissons tous en partie. Nous connaissons en partie. La connaissance que j'ai, c'est en partie. La révélation que j'ai de lui, c'est en partie.
Mais alors viendra un temps où nous connaîtrons totalement dans l'éternité. Mais regardez, les mêmes apôtres à qui Jésus a dit, qui suis-je? Il a dit qu'il était, Pierre a dit que tu étais le Christ. Mais le même, lorsqu'il est mort et qu'il est ressuscité d'entre les morts, il a changé d'aspect. Quand Jean l'a vu, la Bible dit dans le livre d'Apocalypse, révélation de Jésus-Christ. Cela veut dire ce que tu avais connu hier, il se révèle maintenant dans une autre dimension. Révélation de Jésus. La révélation, c'est le fait d'ôter le voile, d'enlever le voile pour voir clair. La Bible dit qu'il a donné pour montrer à ses serviteurs. Cela veut dire que tu dois prêter attention à cette révélation. Et quand Jean, dans le livre d'Apocalypse, permettez-moi de lire et je vais finir par là, Apocalypse chapitre 1er, lisons avec moi, Apocalypse chapitre 1er, le verset 1er au verset 3, il dit, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs des choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus, soit tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Regardez avec moi le verset 10. Il dit, je fus saisi par l'Esprit, ces gens qui parlent, au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette, et qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes et à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, il dit, je vis sept chandeliers d'or. Je m'arrête là. Les sept chandeliers d'or représentent les sept églises. Laisse-moi vous dire, Jésus marche au milieu de sept chandeliers d'or. Si tu veux le connaître, c'est dans l'église. Ah, il marche au milieu de sept chandeliers d'or. Et il tient dans sa main les sept étoiles. Il marche en ce lieu. Il marche dans l'église qui est fidèle. Il marche au milieu de sept chandeliers d'or. Et la Bible dit au verset 13, et au milieu de ces sept chandeliers, au milieu de l'église, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme, vêtu d'une longue robe. Oh, laisse-moi te dire, quand tu le vois, il a une longue robe. La robe est l'image du vêtement, de la justice. Lorsque tu t'attaches à ce Jésus, il te donne aussi cette longue robe, la robe de fin lin, cette robe de justice, car toute la justice des hommes n'est que souillure et pourriture, mais lui te donne sa justice. Et il avait une ceinture d'or sur sa poitrine, la ceinture qui est l'image de la vérité. Il est là, Jésus-Christ, la vérité. La Bible dit qu'il est le chemin, qu'il est la vérité, il est la vie. Quand tu t'attaches à lui, tu ne peux que vivre et marcher dans la vérité, car il est la vérité. Alléluia, alléluia. Sa tête et ses cheveux était blanc comme de la laine blanche, comme de la neige. Il avait des cheveux blancs. Les cheveux blancs dans la Bible représentent la vieillesse. Et la vieillesse représente la sagesse. Alléluia. Lorsque tu as les cheveux blancs, tu reçois la sagesse de Dieu. Oh, laisse-moi te dire que Jésus-Christ est la sagesse infiniment variée de Dieu. Il est la sagesse personnifiée. Ce que Salomon a demandé, donne-moi la sagesse car je suis jeune. Dieu lui a donné la sagesse. Mais quand Jésus vient, il lui dit, il y a ici plus que Salomon. Oh, je suis venu te dire, quand tu t'attaches à Jésus, même si tu as 15 ans, même si tu as 20 ans, tu ne seras pas comme un bourrique. Tu vas avoir la sagesse. Dieu te donne un esprit de sagesse. L'esprit de sagesse est sur toi. L'attachement à Jésus te rend sage. Ça te distingue de ceux de ta génération. Ça te distingue de ceux de ton âge, de ton environnement. Tu deviens extraordinaire. C'est-à-dire que tu sors de l'ordinaire. J'aime les cheveux de Jésus. Oh, et la Bible dit, ses yeux étaient comme une flamme de feu, les yeux de Jésus. Apocalypse 4 et 5 nous disent qu'il a sept yeux, l'omniscience. Il sait tout, il voit tout. Quelqu'un a dit, il voit une grosse pierre noire pendant la nuit.
Il voit une fourmi noire sous une grosse pierre noire pendant la nuit. Donc toi, il te voit. Ton problème, c'est rien. Il a les yeux. Oh, lorsque tu t'attaches à ce Jésus, les yeux de la révélation te sont donnés. Il te donne l'onction de la révélation. Il t'ouvre les yeux pour voir. Dieu veut que ses enfants puissent voir. Dieu veut que ses enfants puissent voir. David a dit, ouvre mes yeux. Et il veut ouvrir tes yeux. Lorsque tu t'attaches à ce Jésus, tu ne peux plus être aveugle. Lorsque tu t'attaches à ce Jésus, les écailles tombent de ses yeux. Lorsque tu t'attaches à ce Jésus, Dieu ne te cachera plus les choses. Il dit, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? La Bible dit, le Seigneur Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Je suis venu te dire, tu es un peuple prophétique, car Dieu va te révéler les choses cachées. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. La Bible dit, ses pieds étaient semblables à de l'air ardent, comme s'ils avaient été embrasés dans la fournaise. Tu vois à qui tu t'attaches? Si tu t'attaches à lui, tu deviens un seul esprit. C'est-à-dire, toi aussi, tes pieds deviennent le pied de rein. Qui va te faire que jeter le mbassou? Ah, laisse-moi danser. Toi, quand tu sors de ta maison, tu dois surveiller. Est-ce qu'il n'y a pas les œufs? Est-ce que, oh, je suis venu te dire. Il a dit, je vous ai donné. Ce n'est pas au futur. Tu l'as déjà. Le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne peut te nuire. Tu as les pieds des reins. Je suis venu te dire, marche dans l'autorité de Jésus. Tout lieu que foule la plante de tes pieds. Ah, come on. Ce lieu t'est donné en héritage. Même si tu ne l'as pas, réclame cela comme les enfants d'Israël. Envoie des espions. Dis, c'est à moi, l'opango yoyanga. Cette personne-là, je me rappelle dans les 30 matins de l'année passée, on avait prophétisé. Le pasteur est venu, m'a montré, dit, c'est ici. J'ai dit, ah, on l'a déjà. Et me voici ici. Mes pieds ont foulé ici. Je suis venu te dire, tout lieu que foule la plante de tes pieds, et Bessamelio, c'est à toi. C'était donné parce que tu m'as dans la révélation. Ne sois pas intimidé. Ne laisse pas l'Europe t'intimider. Ne laisse pas les hommes t'intimider. Si tu savais que tu étais dans le plus grand royaume, le cinquième royaume qui est au-dessus de tout, de tous les royaumes, tu ne peux plus être intimidé. Il dit, et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Oh, tu vas commencer à parler comme Jésus. Laisse-moi te dire, quand Dieu parle, sa voix fait trembler les montagnes. La voix de Dieu fait enfanter les biches. La voix de Dieu brise les cèdres du Liban. La voix de Dieu est puissante. Tu parleras dans le monde spirituel et tu vas utiliser ta voix. Mais dans le monde spirituel, ils entendent la voix de grandement de sceaux. Parce que ta voix devient la voix de Dieu. Parce que tu es attaché à Jésus, tu reçois la voix. Je dis, tu reçois la voix de Dieu. Tu es appelé à commander. Déclare les choses. Les choses vont arriver. Dieu dit, je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Tu ne peux pas recevoir parce que tu ne parles pas. Ouvre ta bouche et parle. Je suis venu te dire, ouvre ta bouche et parle. Dieu a créé le monde par la parole et il n'y a que l'homme qui a reçu le don de la parole. Montrez-moi un animal qui parle. Ça n'existe pas. Même le perroquet ne parle pas, il imite. Donc si tu as été créé avec la parole, ce n'est pas pour que tu joues avec. La parole appelle à l'existence. Des choses qui ne sont point comme si elles étaient. La Bible dit, la parole est dans ta bouche et dans ton cœur. C'est la parole de foi. En fait, ne confesse pas par rapport à ce que tu vois. La réalité n'est pas la vérité. La vérité, la réalité, c'est ce que tu vois. La vérité, c'est ce que Dieu dit. Or, la réalité ne peut jamais changer la vérité. Mais la vérité peut toujours changer la réalité. Oh, je suis venu dire à quelqu'un, la réalité de ta vie sera changée à cause de la voix de Jésus en toi. Parle. Dis avec moi la révélation de Jésus. Je finis.
Et la Bible dit, il avait dans sa main droite cette étoile. Et de sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants. Et son visage, regardez son visage, était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. Un visage rayonnant. Quand Moïse est monté sur la montagne 40 jours, dans le jeûne, dans la prière, il descend. La Bible dit que Israël ne pouvait pas le fixer tellement qu'il rayonnait de la gloire de Dieu. Oui, frère, il était obligé de mettre sur lui un voile à cause de la gloire. Et nous voulons cette dimension de gloire. La Bible dit, nous tous, dans le livre de 2 Corinthiens, au chapitre 3, il dit quelque chose de très important par rapport à cette dimension de gloire. Au verset 17 à 18, il dit, oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous donc, le visage découvert, nous reflétons la gloire du Seigneur. Et nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. De gloire en gloire. Lorsque tu as cette révélation, tu marcheras de gloire en gloire. De gloire en gloire. De gloire en gloire. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes. Tu marcheras de gloire. La gloire d'hier s'est passée. Attends-toi à une autre dimension. Man of God, attends-toi à une autre dimension. Enfant de Dieu, attendez-vous à une autre dimension. La puissance de Dieu ne décroît pas. Tant que tu es fidèle, elle croît, elle monte, elle va encore plus haut et plus loin. Il dit, nous sommes transformés. Plus tu le regarderas dans l'adoration, plus tu le fixeras dans l'intimité, dans la présence de Dieu, plus tu seras à genoux devant sa face et devant sa présence, plus tu recevras la lumière de ce soleil. Il est le soleil levant. Il est le soleil de la justice. Il est l'étoile brillante du matin. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Il est le ressuscité. Son nom est le chemin. Son nom est la vérité. Son nom est la vie. Il est le principe de la création de Dieu. Il est le rejeton de David. Il est la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient et qui maintenant est devenu la pierre de l'angle. Quelqu'un peut-il m'aider à célébrer Jésus? Quelqu'un peut-il m'aider à clamer le nom de Jésus? Il n'y a pas deux comme lui. Il n'y a pas trois comme lui. Le seul, unique et le tout puissant et le très haut. Je l'aime de tout mon cœur. Je l'aime et je l'adore. C'est de lui, par lui, pour lui que je suis ce que je suis devenu. C'est grâce à son aide. Comment ne pas l'adorer? Comment ne pas le célébrer? Il s'appelle Jésus. Il est digne de notre louange. De gloire en gloire, tu m'as. Adorons-le. Pendant 5 minutes, adorons-le, s'il vous plaît. Le pauvre.